troisième et avant-dernière course du week-end dans cette catégorie et ce championnat Racing Cup. Regardez, avec toutes ces voitures qui sont au départ, encore une fois, ça part en paquet. Et ça va nous donner du spectacle et des rebondissements. On est parti pour 25 minutes de course. On a déjà vécu de très très beaux duels, très beaux passages de l'action, comme on l'aime sur le sport automobile avec cette 208 Racing Cup. Avec en pole position, on avait la 208, on la voit ici, cette 208 bleue, hein, d'Aurélien René, qui est parti en troisième position sur la grille de départ, mais qui se retrouve en tête après quelques virages seulement. On a du changement à la première place, notamment. On va retrouver hein, forcément cette bataille avec notamment Aurélien René, Florian Briche, Aurélien Comte, Calvin Comte également qui est dans la discussion, Pierre Bredeau, Johan Caillot, ils sont là, les pilotes du haut du classement de cette catégorie. Bah, c'est Aurélien Comte qui a repris le contrôle de cette course. Et suivi de près, ne le lâche pas, par Aurélien René. Aurélien René justement qui en a profité pour reprendre les commandes de cette course. C'est à toi, moi, entre Aurélien Comte et Aurélien René. On avait vu déjà ça tout à l'heure lors de la deuxième course du week-end. Et on a ce groupe de 5 pilotes qui se sont un petit peu détachés du reste du plateau. Alors que Florian Briche est repassé par la voie des stands. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette 208 numéro 77? Des pilotes qui jouent la victoire hein, au départ de la course. Ouais, lui qui va forcément perdre gros sur cet arrêt au stand. Cet arrêt au stand qui n'était forcément pas prévu. On est sur une course de vitesse. Allez, 2.13.836, c'est le meilleur tour en piste signé Aurélien René.
Allez, après trois tours complétés, on retrouve toujours devant Aurélien René, Calvin Comte. C'est Pierre Bredeau, Johan Caillot, Colin Borot pour le top 5. Et forcément, avec cet arrêt au stand, eh bien, Florian Briche est en toute fin de classement. À présent, il n'est plus dans la course à la victoire aujourd'hui. Oh, attention, il y a une sortie de piste à Adélaïde, la sortie de piste dans le paquet pour la voiture. On va regarder le numéro de cette voiture. Alors, numéro 73, la 73 de Pascal Girard. Et oui, Pascal Girard du team Savoie Compétition, qui a été touché, on voit le pare-choc avant abîmé, et la voiture qui se retrouve dans le bac à gravier, qui peut repartir. On s'en laissait quelques traces sur la piste. On va avoir un arrêt forcément dans la voie des stands pour cette voiture. Dernière minute à l'instant de cette course, c'est le meilleur tour en piste qui vient d'être amélioré. C'est Colin Borot, le jeune pilote junior, en 2.13.136. Colin Borot, on disait pilote junior, cinquième là du général, deuxième dans cette catégorie junior qui est dominée par Pierre Bredeau. Pierre Bredeau, avant cette étape dans la Nièvre, eh bien, il était leader du classement général et du classement junior. Pierre Bredeau, troisième actuellement, qui n'était pas en réussite sur les deux premières courses. Et qui là semble un petit peu mieux. Il est seulement à 1,8 seconde de la tête. Et juste derrière Aurélien René et Calvin Comte. Alors c'est Calvin Comte hein, qui est deuxième et non Aurélien Comte. Ouais, petit lapsus depuis le début de la course, je suis désolé. Hein, Aurélien Comte, lui, qui n'a pas pris de départ. Mais Calvin, là, la famille Comte au rendez-vous tout de même en deuxième position sur la numéro 37. Belle attaque dans toute la 10e place. Hein. C'est bien passé là aussi pour la 208 qui a pris le meilleur au niveau du freinage du lycée. Mais c'est passé alors que devant c'est toujours Aurélien René, Calvin Comte, Pierre Bredeau. C'est Thomas Compin qui a pris le meilleur là pour la 6e place sur Manuel Revirio. Et Colin Borot qui améliore une nouvelle fois le meilleur tour en piste en 2.12.978. Seul pilote sous la barre des 2 minutes 13. Ça passe pour les 5 premiers pilotes que sont Renard René, Calvin Comte, Pierre Bredeau, Johan Caillot et Colin Borot. Alors pour l'instant, seul hein, Calvin Comte est en mesure d'attaquer Renard René pour la place de leader. Pointe à 4 dixièmes du pilote de la 208 numéro 1.
Alors vous le voyez, hein, la nuit qui commence à tomber sur Magnicourt. Alors qu'on a ici à l'image une sortie de piste, hein, qui vient d'avoir lieu. Parfois les pilotes n'ont pas le choix, hein. Il y a beaucoup de trafic. Si on rate son freinage, c'est compliqué ensuite de changer de trajectoire trop brusquement. Allez, les 5 pilotes de tête qui se tiennent toujours. Alors qu'on a Aurélien René qui tient bon, ça va être compliqué d'aller le déloger. Hein. Là, il est en contrôle. Ah, vous le voyez, je disais, la nuit qui tombe sur Magnicourt. Les pilotes doivent forcément allumer leur phare et leur lumière pour être dans les règles. Voilà, tout le monde a effectué cette mise en lumière au niveau des voitures. Et ça peut sembler anodin, mais une voiture qui aurait un problème d'éclairage ne pourrait pas continuer la course. Ça a été le cas, notamment hier pour l'Audi R13 DTM, qui, au moment de s'élancer sur la première course du week-end qui a lieu en nocturne, n'avait pas un éclairage suffisant et a dû renoncer. Allez, on a un changement au niveau de la quatrième place. Joan Caillot n'est plus quatrième, c'est Colin Borreau qui a pris le meilleur sur le pilote de la numéro 7. Vient d'être donné à Emmanuel Revirieux pour un non-respect des limites de course. Voilà, au bout d'un certain nombre d'avertissements, la pénalité qui vient de tomber. Et là, c'est 5 secondes de pénalité pour Emmanuel Revirieux. Attention à Adélaïde, il y a du grabuge. Deux voitures qui sont sorties, ont tiré tout droit. Pour l'instant, pas de drapeau jaune, même si on imagine que les commissaires présents doivent informer les pilotes que ces voitures sont arrêtées à ce niveau-là. Si elles n'arrivent pas à repartir, ça va être problématique. Peut-être une entrée de la safety car. Ah, safety car, on l'attendait. Deux voitures qui ne repartent pas. Parce qu'on a eu un accrochage. On va essayer de revoir tout ça en image et surtout de. Ah oui, on a eu un accrochage. Là, on voit ici l'arrière, hein, l'arrière de la numéro 18. Forcément la déception, hein, du côté de ce pilote qui eh bien, ne pourra pas terminer la course. Ouais, c'est la numéro 10, effectivement, là, un petit peu de mal à lire le numéro, hein, puisque celui-ci a été modifié un petit peu artisanalement, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est la numéro 10, c'est Thomas Compin qui est extrêmement bien classé en 6e position tout à l'heure et qui va forcément devoir abandonner après cet accrochage au niveau d'Adélaïde. Ah, numéro 30, hein. Et Emmanuel Revirieux qui on rappelle, hein, avant avait été pénalisé de 5 secondes et qui là se retrouve impliqué dans cet incident de cet accrochage avec les deux pilotes. Ah, les pilotes qui ont quitté leur voiture, on va remorquer ces deux 208 pour permettre à la course de reprendre normalement et à la safety car de quitter ce circuit de Magnicourt.
à la direction de course qui a pas mal de boulot là, sur cette course 208 avec des enquêtes qui sont forcément ouvertes hein, après cette collision entre la numéro 10 et la numéro 30 et on a également d'autres enquêtes qui sont en cours. Des pénalités qui ont déjà été distribuées. Alors le podium qui tient bon et il reste encore 6 minutes. Aurélien René-Calvin contre Pierre Bredeau. Pierre Bredeau qui s'imposerait en junior devant Colin Bourreau. Mais attention, hein, Colin Bourreau qui n'a pas dit son dernier mot. C'est le pilote le plus rapide sur cette course. Alors en 2-12-978, on le rappelle. Il y a ces petits cars qui va encore rester allez, peut-être un tour supplémentaire et ensuite ce sera bon puisque les voitures ont été mises en sécurité. Dans les 5 dernières minutes, on aura très certainement quelques minutes en fin de course sans safety car, mais voilà, une fin de course un petit peu tronquée là, avec cette safety car hein, qui empêche bien les voitures de se battre dans les règles de l'art. Et voilà, safety car qui est annoncé dans le dernier tour. On va pouvoir repartir avec la fin de course et il va nous rester 3 minutes pour se battre, peut-être deux tours pour les pilotes et on va surveiller la première place bien sûr et surtout la troisième place entre les deux pilotes juniors Pierre Bredeau et Colin Bourreau. C'est peut-être un coup à jouer pour ces deux places. Ah, les écarts sont réduits à néant forcément. Les voitures actuellement dans le 180 degrés et on n'est pas encore arrivé au bout de ce tracé de Manicourt. La safety car toujours là, mais il va pas rester énormément de temps. Allez, on espère pouvoir laisser un dernier tour. Ça c'est quasiment certain. Deux tours, ça va pas forcément être assuré parce que les voitures sont actuellement dans le virage d'Imola avant d'arriver sur ce fameux château d'eau, ce virage numéro 13. Et au château d'eau, faire attention. Alors là, sous safety car, il n'y a pas de problème. Mais une des zones les plus piégeuses de ce circuit de Manicourt. Et on arrive au château d'eau pour tout le monde. Et ensuite, la courbe, la passerelle. Allez, le drapeau vert qui va être présenté dans quelques instants. Là, les pilotes qui peuvent repartir sur un rythme normal. Et Aurélien René qui va essayer de défendre sa place de leader dans cette course. Un drapeau vert. Est-ce qu'on va avoir le temps d'effectuer un dernier tour? Il y aura même deux tours encore. Il y aura deux tours puisqu'ils viennent de passer la ligne d'arrivée, il restait 2 minutes et 20 secondes environ, 2 minutes 20 secondes, c'est assez pour clôturer ce tour avant la fin du chrono. Allez, Aurélien René, Calvin Comte, Pierre Bredeau. Ouais, forcément après une bonne dizaine de minutes sous safety car, on a envie de lâcher le chevaux et de repartir très fort. Tout le monde a le couteau entre les dents. Ah,
une voiture qui est partie à la faute, c'est la numéro 27. La voiture numéro 27, c'est Jean-Patrick Caillet qui part à la faute, qui se retrouve arrêté. Il peut repartir, voilà, il peut repartir, pas de souci. Donc on est en train de vous recaler les images sur ce qui s'est passé tout à l'heure au niveau d'Adélaïde. Et on va vous montrer tout ça, cet accrochage entre la numéro 30 et la numéro 10. Oh non. Non, c'est un autre accrochage là. C'est un autre accrochage qu'on vient de nous proposer. C'est à l'instant la 71 qui part à la faute du côté d'Adélaïde. Il y a du débris. Il y a du débris qui est resté sur ce virage. Alors la 71, on parle de Matteo Nomblo qui était 7ème. Il était 7ème Matteo Nomblo qui est venu accrocher une autre 208 à ce niveau-là. Allez, c'est le dernier tour, on n'appellera pas la safety car. On va laisser les pilotes de devant se battre pour leur victoire. C'est toujours Alain René devant Calvin Comte et Pierre Bredeau. La numéro 17 qui est impliqué. Et c'est Colin Borreau, on ne l'avait pas vu sur le coup, qui vient se faire accrocher. Ah, on a vu à l'intérieur la perte de contrôle, hein, de Matteo Nomblo qui est venu faucher Colin Borreau, lui qui était en course pour la troisième place, on le rappelle, qui se retrouve maintenant au fin fond du classement et qui va pas forcément terminer cette course. Allez, cette fois c'est bien le dernier tour. Alors, on rappelle qu'il y a des débris du côté d'Adélaïde. Est-ce que ces débris ont été enlevés par les commissaires? En tout cas, pas d'annonce de safety car. Ces débris qui ne sont pas sur les trajectoires des voitures, ça c'est plutôt une bonne chose. Et Aurélien René qui en a profité pour signer le meilleur tour en piste de 12-746. Et ça tient bon pour la 208 numéro 1 qui semble un petit peu tranquille là, puisque derrière Calvin Comte et Pierre Bredeau ne sont pas en mesure de l'attaquer. Allez, la courbe de la passerelle, les derniers virages et la victoire pour Aurélien René qui va s'imposer devant Calvin Comte et Pierre Bredeau. La victoire pour Aurélien René qui avait terminé deuxième tout à l'heure derrière Aurélien Comte justement. Cette fois c'est lui qui s'impose devant Calvin Comte. Au terme d'une course mouvementée encore une fois. Après deux victoires, Aurélien Comte n'avait pas pris part à cette troisième course. Et bien c'est Aurélien René qui en profite pour signer sa première victoire du week-end. Après trois courses, il y aura une quatrième course. Ce sera demain matin en direct à 9h sur le live de l'Ultimate Cup Series. Voilà, on va faire un point sur le classement avant de se quitter quelques secondes et se retrouver pour le grand départ de l'Endurance, la Coupe Kenol GT Endurance exactement, pour un départ à 19h35. On essaiera de prendre les réactions sur la grille de départ avant ce drapeau vert qui lancera les 4 heures de cette Coupe Kenol GT Endurance. Donc on rappelle le podium ici sur cette 208 Racing Cup, Aurélien René qui s'impose devant Pierre Bredeau qui est passé deuxième sur la ligne d'arrivée. Ça c'est une information à noter.
et Calvin Kond 3e. Voilà, on se quitte quelques secondes, on se retrouve un peu plus tard, d'ici quelques une quinzaine de minutes pour le grand départ de l'Endurance Coupe Kenol GT Endurance. À tout de suite.